Shalom Aleichem. Si l'homme n'apprend pas à se connaître, nous avons vu dans la vidéo précédente, le Rav nous dit que ceci conduit l'homme, va développer chez l'homme des grands problèmes, des grands bugs, on dirait, Bayot nafshiot, de manière très générale, c'est un générique. Des problèmes dans le nefesh, des déséquilibres. Ça peut toucher tous les domaines du nefesh, quel qu'il soit. Des difficultés de se mesurer avec des situations différentes de la vie ou des soucis extérieurs. C'est-à-dire que si l'homme dans son nefesh n'est pas bien construit, alors dès qu'il a un problème dans sa vie, puisqu'il ne connaît pas son nefesh, alors il ne sait pas comment aborder le problème, comment l'arranger, comment le solutionner, alors il va être en décalage, en déséquilibre. Et ça va causer d'énormes difficultés. Afin de résoudre ces problèmes, il est nécessaire d'apprendre et de connaître le nefesh et ses énergies. Il est tout à fait naturel et correct de corriger son nefesh. Pourquoi ? Pour ne pas avoir des problèmes. Ou pour aborder les problèmes correctement, voire les solutionner. Pourquoi c'est naturel ? Parce que l'homme, dans sa nature, c'est-à-dire dans la racine de sa création, l'homme recherche de se lier au plaisir et de fuir les dégâts. Oneg et néga, c'est une idée connue. Oneg et néga sont les lettres inversées. Oneg, le plaisir. Néga, le problème. Aucun homme ne supporte les problèmes du nefesh et les difficultés de les aborder ou les soucis de la vie et des éléments extérieurs qui viennent vers nous. Donc l'homme n'aime pas le problème et il veut vivre dans le plaisir. De quel plaisir parlons-nous, bien évidemment? Dans de nombreux cas, la nécessité d'apprendre et de connaître le nefesh afin de résoudre les problèmes du nefesh est immense. Parce que de nombreuses personnes se trouvent dans des situations de souffrance, nafshit, profonde, et ont besoin de solutions précises pour des problèmes qui les empêchent de vivre agréablement et qui abîment leur mode de vie. Il y a un phénomène très répandu. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de connaître leur nefesh et quand ils ont un problème, ils se dirigent vers un thérapeute, et celui-ci va s'introduire dans le nefesh du patient pour le guérir. Cependant, le Rav dit que cette réaction est extrêmement étrange. Comment est-il possible de penser que l'homme va laisser la possibilité à un autre homme, qu'il ne connaît quasiment pas, de pouvoir s'occuper de ce qu'il y a de plus proche en lui-même, de plus important et de plus cher ? Sans que lui-même, le patient, n'essaie de comprendre ce qui se passe en lui. Ce que l'autre, le thérapeute soit-il, va s'introduire dans mon nefesh, déjà comment tu laisses quelqu'un rentrer dans ton intimité, et surtout qu'il va agencer ta vie avec ses idées, avec ses théories, ses théorèmes, et il peut même modifier ta vie. Et le Rav s'exclame, y a-t-il d'autres domaines dans la vie où on laisse les gens rentrer dans notre vie? On n'aime pas que les autres rentrent dans notre intimité. Parfois même, c'est des petites choses. Alors comment pour des choses aussi profondes, aussi chères, aussi proches de nous-mêmes, qui sont nous-mêmes, on laisse l'autre s'introduire en nous? C'est énorme comme réflexion. Il ramène un passage dans Michelé. Il a dit le roi Salomon, Shlomo HaMelech, chapitre 4, verset 23. « Mikol mishmar netzor libecha ki bemenu tzotraim » Shlomo HaMelech nous met en garde et nous dit « Fais très attention, protège ton cœur. » Parce que c'est du cœur que découle la vie.
Et donc, ce qui va rentrer dans ton cœur va avoir des conséquences pour toute ta vie. Bien évidemment, c'est pour cela et pour d'autres raisons que la logique, la droiture de la pensée indique à l'homme qu'il doit connaître son néfesh, afin de comprendre ce qui se trame en lui et de penser les conséquences, qu'est-ce qui va sortir de tout cela. Aujourd'hui, la majorité des thérapeutes et des gens qui les consultent, ils font ça pour régler des problèmes et pour pouvoir avoir une vie plus agréable. Est-ce l'unique finalité? On ne fait pas ici de la psychologie, j'aime employer le terme thérapie, mais de toute évidence, lorsqu'on est en déséquilibre quelconque, en décalage, en désordonné, en désharmonisé, alors la vie, elle est désagréable. Et quand la vie, elle est désagréable, eh bien, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de vivre agréablement. C'est l'importance, c'est le point que nous avons eu donc ce matin, c'est l'importance de bien se connaître pour bien régler les problèmes, voire les éviter, voire les aborder d'une autre façon, d'une façon qui va nous permettre d'avoir une vie beaucoup plus agréable. Kol Tov.